Calme-toi, ça va aller. Allez, tu tapes dedans et tu me parles. Parle-moi, je suis avec toi, je suis là pour t'avancer. Allez, Tork, c'est bien mon gars. Continue mon gars. T'as combien là? Presque 9. Allez, vas jusqu'à 10, dépasse tes limites un peu. Voilà, c'est bien, pause. C'est bien. J'ai un dernier exercice pour toi pour aujourd'hui. Il faut que tu trouves des forces. Il faut que tu trouves des forces, c'est important. Okay. Faut que t'ailles de l'avant. Tu vois ce coussin? Oh, il est beau. Il est rempli d'histoires. Il est rempli de tes histoires à toi. C'est de la mousse dedans. Ouais, je veux que tu tapes dedans et que tu te livres, qu'on comprenne pourquoi t'en es arrivé là aujourd'hui. Qu'on passe à autre chose, putain. Que tu laisses tout ce qui va se passer derrière toi. Calme-toi, ça va aller. Allez, tu tapes dedans et tu me parles. Parle-moi, je suis avec toi, je suis là pour que t'avances. Je suis là pour te faire réussir dans la vie. C'est pour moi, ça n'a pas toujours été facile dans ma jeunesse. Ouais. C'était une histoire qui remonte, vieille comme le temps et comme le monde. J'étais en CE1. Ouais. J'avais une peluche. Oui. C'était une peluche bleue. Tu tenais beaucoup à elle? Elle s'appelait Bleuet, je tenais beaucoup à elle. Ok. C'était un petit cochon bleu. Oh merde. Elle était superbe. Et un jour, on me l'a volée. Ah. Je m'en suis jamais remis. C'est pour ça que t'as ce problème avec le bleu. Le bleu, ça m'obsède. Imagine. Imagine que c'est lui qui te l'a volé. Ah, ah. Merde, ça va? Ah ouais. Ça va mec? Ouais, ça va mec. Ça va? C'est bien, ça va. Excuse-moi, tu sais que je suis très très perturbé avec ça. C'est pas grave. Okay. Au moins t'es allé, t'as dépassé au dessus. Ça je va, pense. C'est sûr. Je pense qu'il est prêt, c'est bon. On va pouvoir passer au dernier. Désolé, excuse-moi. Ça va. Désolé. Ah. Putain, c'est bon, là, je suis chaud, coach. Là. Ah là, je suis chaud. C'est bien. Ça va, je t'ai pas fait mal. Non, ça va, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais c'est bien ça. Ah ouais, là, t'as pu au moins extérioriser toute cette haine en toi. Moi, quand je vais à la salle de sport avec Simon et Karim, tu donnes à fond. On se donne à fond. Tu donnes à fond, mais c'est bien. Je veux voir que tu donnes à fond aujourd'hui en game. Ah, je lui ai cassé les côtes à Karim. Tu sais, il reste 2 semaines, mon gars. Dans 2 semaines, je suis plus là. Le but, c'est que tu montes maintenant que t'as avancé. Mais là, t'as évolué. J'ai mon projet là. On a monté le projet. Et on va quoi ce projet? Déjà, t'as déjà un projet? On a le projet. Ah ouais? Le projet. C'est quoi le projet? Le cancer de la faille. Ouais, il va être violent d'ailleurs. Petit match trouvé, c'est parfait. Cancer de la faille. Alors faut que t'aies la top lane du coup. Mais évidemment, top lane. C'est pas un champion dégueulasse parce que les gens ne s'attendent pas, tu vois, aux dégâts top. À la puissance du champion. Il est pas mauvais. Smurf. Non mais c'est bon. J'ai appris ça l'autre fois sur un stream. C'est bon. Smurf, juste top, ça suffit. Non mais oui, mais Smurf challenger. Ouais. Smurf, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Ça suffit, t'as pas besoin d'en faire plus. Smurf challenger. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, Challenger. Non, c'est trop. Challenger, ils vont pas me croire. Oui. Smurf Master, 99 points. Bon, attaque. Mais après, au moins, tu auras peut-être ton poste grâce à ça. Mais le problème, c'est que si tu fais ça et que tu fails derrière, ils t'attendent au tournoi et tu vas te prendre des reports. Ouais, mais après, en général, c'est jamais moi. Tu vas te prendre les petites remarques en mode après, ah, mais c'est ça, Master, etc. C'est jamais moi qui fail aussi après. Comment? C'est jamais moi. Quand on perd, c'est toujours la faute des autres. Ah, si, quand même. Des fois, ça t'arrive de faire des petites erreurs. Faut reconnaître. Oh, j'ai vu la photo de Narcisse sur Twitter. Narcisse, quand il est venu la semaine dernière, nous voir. Elle est bien. Il y a eu 4 retweets. Ouais. Et oui, sans compter Simon et Karim, faut retweet aussi. Ah, ils ont retweet Simon. Oui. ça des photos, vous savez. Du coup, maintenant, t'es grave populaire. Ah, j'ai été. Ah, ça y est. Ça aide avec les filles ou pas? J'ai gagné 10 followers. Ça aide avec les filles? Ouais, les filles, oui. Bon, après. T'as une copine, toi, d'ailleurs? J'avais une copine, mais en quittant le collège, en fait. Ouais, elle n'a pas cru en moi, en fait. Donc. Sûr, si t'as pas d'avenir, tu sais, les filles elles aiment bien un petit. Oui, mais après. Après, le truc, c'est le problème, c'est qu'elle joue pas LOL en fait. Ah, donc elle peut pas comprendre. Et quand je lui ai expliqué que j'allais devenir top euro et que j'allais aller au LCSS, bah elle a pas compris en fait. Et du coup, elle s'est moquée de moi et du coup, je l'ai giflé. Ah, je me moque pas là, je suis pas en train de me moquer. Tu peux y arriver si t'as envie d'y arriver, c'est sûr. Mais après, elle s'est moquée de moi et. Ah! On te parle. Talk. Du coup, what's your main icon? My main icon, c'est. Figure ce que tu réponds. Hein. C'est Dwagfi. Non. Me mets pas en porte-à-faux. C'est une usurpation d'identité ce que t'es en train de faire. Coach, je contrôle la situation. Je contrôle la situation. Sois réaliste. Dis-leur la vérité. Avoue-leur la vérité. Je contrôle la situation, coach. Ok, je veux dire autre chose, coach. Ok. Je veux dire. Non, mais dis. Mais attends, dis. Narcus LOL. Non, dis. Je sais pas, Soaz. Soaz. Joueur, ça dit quoi? Dogby. T'as vraiment un frère. Je gère la situation, coach. Ok. Je contrôle la situation. Ok, coach. Vous faites confiance. Mais moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Je crois en ton avenir. Mais faut que ça vienne de toi. Faut que t'arrives à toi-même. Ouais, merde. Mais vous, coach, aussi, le problème, c'est que vous êtes diamant 4, non? Non, je suis diamant 1. Maintenant, ça y est. Vous êtes pas diamant 2?
Non. Parce que je vous ai vu diamanter l'autre fois. Je suis devant peut-être diamanter alors. Je vous ai vu diamanter, mais c'est très bien. Enfin, franchement, après, non, moi j'ai le niveau diamant après. Mais je pense que vous avez aussi le niveau diamant après. Si vous donnez Non, pour l'instant, j'ai le niveau diamant 2. Si j'ai le niveau diamant 1, je monterai diamant 1. Mais c'est juste que je joue pas. C'est vrai. Alors que toi, tu joues. Beaucoup en plus. Je te vois tous les soirs sous la couette avec ton PC portable à lancer des games. Bah c'est vrai que je joue sous la couette, après c'est pas très pratique. Donc c'est sûr. C'est pour ça qu'en fait, quand tu vas lancer une ranked, faut toujours être dans une bonne situation, tu vois. Savoir que tu vas pas être dérangé par tes parents. Bah, il y a l'extension d'Hearthstone qui est sortie quand même, Goblin contre Gnomes. Et tu t'es encore dit. Mais tu réussis pas. Non, parce que du coup, elle est pas sortie en fait. Parce que Blizzard, c'est des gros bâtards. Et du coup, c'est pas sorti. Ah oui! Ok, c'est parti. C'est le moment. Ah! Je pense que c'est un bon pick. Dans tous les cas. C'est un super pick de toute façon. Bah, il va surprendre. Alors, par contre, j'ai pas le skin avec. Comment on fait pour acheter des skins sur League of Legends? Tu cliques dessus si t'as des sous. T'as des sous dessus? Je sais pas, peut-être. Je vais acheter celui-là. Parce que du coup, l'autre fois, j'ai demandé la carte bleue de mon père l'autre fois. Et du coup, il m'a donné sa carte bleue. Et du coup, j'avais pu acheter un skin du coup. Déverrouillé. Tu veux celui-là? Ouais, t'as pas de sous, allez. Ah, ouais, j'ai quand même 450 RP qui me reste. Tu peux avoir un petit skin. Celui-là, j'adorais celui-là quand j'étais enfant. Ah, t'as même pas assez, quoi. La tristesse. Non. Oh, dur. C'est 500 balles de moins. Ouais, je pense. Vous pouvez me faire un don, coach? Non, on peut pas. Et comment je fais pour acheter? Elle peut pas acheter là comme ça? Non, tu vas plutôt définir. Pourtant, vous savez, j'ai la carte bleue de mon père, je l'ai volée avant de venir en fait. Au cas où. Tu veux payer avec la carte bleue volée de ton père? Bah, enfin, je lui dirai plus tard que j'ai volé en fait la carte bleue. Enfin, il est pas obligé de le savoir tout de suite en fait. Ouais, mais même, ça se fait pas. Derrière, il va te punir et du coup, tu pourras plus jouer à LoL, tu pourras plus accomplir tes rêves. Non, parce que du coup, je compte partir chez mes parents en fait là. Et tu vas aller où? Bah en fait, techniquement, on voulait monter une gaming house avec Karim et Simon. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne idée, là. Non. C'est vachement risqué, ton plan. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, en gros, on a... enfin, on est très... Enfin, Karim, c'est l'ami de l'ami, du cousin du frère. T'as fait tes maîtrises, parce que je suis pas sûr. Oui, c'est bon, je crois. Ouais, c'est pas mal, ça sert bien. En fait, c'est même pas ce qu'il mine, ça a payé. Si. Non. Ça va. C'est nickel. Non, parce que l'autre fois, quand on a joué l'autre fois. Ouais, c'est bon, je m'en rappelle. Voilà. On va revenir là-dessus. Et en gros, et du coup, là, c'est le cousin du copain du gardien, en fait. Et du coup, on peut squatter donc, dans la buanderie de l'école, en fait. Ouais, mais du collège Saint-Martin. Enfin, c'est trop. Non, mais du coup, parce que c'est grand, ça fait quand même 80 carrés, en fait. Faut pas ces étapes. Tout d'abord, tu dois vraiment monter en ladder. T'imagines une gaming house avant d'imaginer. Non, mais parce que, par exemple. C'est juste hallucinant. Karim, par exemple, vous voyez, il a que 200 de moins que Gotaga. Et Gotaga, il a monté une gaming house, lui. Donc je pense que Karim il peut le faire aussi. C'est Karim qui gère, c'est lui qui contrôle la gaming house. Mais je crois que Karim c'est pas une bonne fréquentation pour toi mon ami. Tu sais, faut que tu changes tes fréquentations, j'ai l'impression. Vous êtes raciste? Non, pas du tout, au contraire. Raciste, coach? Parce que c'est pas Karim, c'est ça? Non. Parce que si vous avez dit que c'était Simon, on n'aurait pas. Ah ouais, non mais là je suis choqué. Non, c'est aucun rapport, tu sais, je suis très très tolérant, mais c'est juste que son idée elle est un peu farfelue. T'as pas du tout le niveau pour être en gaming house, tu vas en faire quoi de la gaming house? Faut déjà que tu montes dans les top challenges. Parce que nous en fait on s'est dit que quand on avait une gaming house, on pourrait faire venir les filles et tout. Elle serait impressionnée du coup. Ouais, mais quand vous allez la payer, enfin, quand vous allez vous. Non, mais on s'est arrangé avec le gardien, donc on a dit du coup. Enfin. Et la connexion internet, c'est payant, le matériel. Ah ouais, on n'est pas pensé à la connexion internet. Ah ouais, attendez. Ah ouais, attendez. Qu'est-ce que tu fais? Attends, j'appelle. Ouais. Attends, j'appelle. Ouais, le Karim? Ouais. On n'avait pas pensé à la connexion internet du coup pour dans la buanderie. Pourquoi? Ah, t'as avec le Wi-Fi? On a avec le Wi-Fi? Mais tu penses qu'on pourra streamer sur. Twitch TV avec le Wi-Fi? Non? Okay. Quoi, t'as reçu un? Ah ouais? Ah oui, oublie pas d'envoyer mon mail pour essayer de rejoindre la nouvelle équipe de comment il s'appelle déjà ce type. La nouvelle équipe d'expliquer, merci. La nouvelle équipe d'expliquer, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer le mail parce que j'ai vu qu'il faisait des candidatures et tout. Oh là. Donc, c'est pas. Ouais, tu me l'envoies, j'ai déjà préécrit et tout. Pour les fautes d'orthographe, c'est pas grave, ok. Ok, merci Karim. Ouais, t'inquiète. Ouais, moi aussi. Quel monde. Ah, c'est bon. C'est bon, il y a des clés Wi-Fi du coup. Vous pensez qu'on pourra streamer avec ça ou pas? Avec des clés Wi-Fi? Mais dans quel monde tu vis, mon ami? Mais c'est grave! Mais ça marche pas comme ça! Et déjà, non, vous allez pas avoir du tout une connexion pour pouvoir jouer. Et après, imagine, vous faites des DDoS, vu que vous êtes tous les 5 dans la même connexion. Même si, imaginons, par miracle, vous arrivez à avoir un niveau et à rentrer dans une compétition, vous faites des DDoS et vous qualifiez pas. Et derrière, vous faites quoi? Vous êtes à la rue? C'est quoi ça, le DDoS? C'est une attaque sur internet très très facile. Contre des personnes comme toi, non, c'est. Ah, mais vous inquiétez pas, Simon est très fort en internet en fait. Enfin, Simon, il a réussi à créer un forum l'autre fois. Enfin, il nous a créé notre site de l'équipe. Donc, ça s'appelle les Corsaires de League of Legends. Ah, et il a réussi, du coup, je pense qu'il pourra. Faut vraiment que tu deviennes réaliste. Faut vraiment que tu deviennes réaliste. Et je vais vous montrer. Non, faut vraiment que tu. Faut vraiment. Enfin, passe-moi, je vais appeler Karim. Faut que je lui parle. Tenez. Ah, pourquoi l'écran est comme ça par contre? Faut que tu échappes vidéo comme d'habitude. Ah, ok.
Il faut que j'appelle. Et c'est comment que ça se passe ici, coach, là? Ouais, ici, tout en haut. Tu prends le premier. Ah ouais. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok, avec mon grand plan, je commence. Allo, Karim? Ah oui. Oui. Coach Rugby, je m'occupe du petit talk. Ouais. Je commence avec ça, je crois. Mais il m'a parlé en fait de votre plan là, avec la gaming house, etc. Et c'est une super idée, hein, coach. Hein. Et tu, je pense que Jérémy fera pas partie de ce plan là en fait. Quoi? Non, mais n'écoute pas, Karim. Hein. Non, 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 tu l'oublies. Non, mais Karim, n'écoute pas. Coach, c'est ce que vous faites? Non, 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 non. Karim, tu n'emmèneras pas avec toi. C'est clair et net. Non, mais, on a déjà signé les papiers avec le gardien. Point. Ouais. Donc tu trouves soit quelqu'un d'autre pour ton plan foireux. Non, mais plan. Karim, n'écoute pas. En tout cas, Jérémy, tu l'oublies. Mais qu'est-ce que vous faites, coach? Non, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Alors, si. Non, par contre, ok, on va dire. Si je fais une bonne game, je vais continuer la gaming house, ok? Non, c'est fini. C'est un plan foireux, mec. Ah, mais si je fais une game. Si tu veux arriver à tes objectifs, prouve-le déjà. Prouve-le-toi à toi-même. Non, mais si je monte en ladder. En face de moi, en fait. Tu montes en ladder maintenant. C'est Sylvana. Ça va aller. C'est un bon match-up, ça. C'est un bon match-up. Pour toi. Mais franchement, Gangplank, sincèrement, c'est bien. Ce champion, tu l'apprécies parce que. Ah bah, vous savez, c'est un. C'est un champion avec lequel tu peux vraiment monter de ouf en ladder solo. Ah bah, on m'appelait le pirate de la faille. Il a une bonne laning phase. Il craint pas trop les. Et je l'ai tué au level 1. En teamfight, c'est quand même compliqué. Ah, mais je l'ai tué au level 1. En teamfight, c'est quand même délicat et la mana est difficile. Non, mais là, en ce moment. On va voir. Là, en ce moment, je tryhard, coach, parce que vous savez, il y a tellement de changements dans la. Dans les scènes League of Legends. Ouais, mais oui, mais tu vois, t'es pas du tout. Actuellement, Soaz et. T'es pas la cible. Soaz et Yostar sont tellement au fond que je pense que je peux leur proposer. C'est dur, je sais pas du tout qui va. J'avoue, je sais pas qui va faire chez Fnatic. Moi, Karim et Simon, si on tryhard, on peut y arriver. Qui circulent. On est trois, ils sont deux. Non, mais ça marche pas comme ça. Faut que tu. C'est très très dur, ce milieu, tu sais. D'abord, faut que t'arrives à faire tes performances en solo. Ensuite, faut t'arrives à monter. Vous, Narcus Lol et moi. Parce que ça va marcher, ça, non? Non, mais moi je joue top, Soaz il se reconvertit carry AD, vous jouez AP mid et Narcus il joue jungler. Eh bah, ça c'est pas mal ça, non? Oh, t'es pas réaliste, hein. Ça marche pas comme ça. Faut que tu te fasses déjà repérer, que t'aies déjà la possibilité de faire quelques résultats en Europe. Et encore, même en ayant tout ça, c'est pas dit que t'es ta place au LCS. C'est vraiment compliqué, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui préfèrent s'entraîner à la stag hein, que plank. Allez, montre-moi comment tu fais. Tu la cible avec le cul, du coup le cul tu joues uniquement agressif. Ok, ça dépend des joueurs. Ça dépend des matchups, tu as raison. Là, t'as très bien, un petit auto-attaque, un Q-spell et tu t'en vas. Il manque le Q-spell. Ah, oh non, smartcast, ok, catastrophe. Échappe. Ok, ouais, attends, là, t'as le temps parce qu'il n'y a pas de la cible pendant au moins 3 secondes. Ouais, il faut au moins 10 secondes pour virer smartcast. Okay. Prends une seconde. Hein. Là, tu pourras plus. Mais n'oublie pas, lui remet des Q. Hein. Au pire, la cible avec le Q, mais fais un truc avec tes Q en fait. Soit tu la poke, soit tu la cible pour avoir les gold sup. T'as pas de TP, ok. Ok, comment je fais là? Ah, attends, refais, laisse prendre la cible là-haut, je t'explique. Tu vas dans jeu tout en bas et tu fais réinitialiser. Voilà, réinitialiser. Oh, c'est pas ça! Ok, super, merci coach. Excuse-moi. Un soutien inébranlable. C'est tout en raccourci, excuse-moi. Et tu fais réinitialiser là-haut et ok. Ah, t'as pas fait ok, ça marchera pas. Bâtard. Putain. C'est plus simple sur un saut quand même. Dégueulasse. Je vais arriver, je vais arriver. Allez, concentre-toi. C'est bien, t'as une bonne lane phase là pour l'instant. Voilà, c'est bon. Donc là, pour l'instant, tu joues le farm contre une Shyvana. Alors que tu peux vraiment la deny, hein. Mais là, j'aurais pu, mais du coup, il y a eu un bug avec les smartcasts. Allez, ça feed. Arrête, tu m'as fait peur, mec. Calme-toi, reste zen, reste concentré sur ta game. On l'a déjà vu ça il y a 2 semaines. Maintenant, je te dis, je suis là, il reste 2 épisodes. On a déjà vu les après, c'est terminé. On a déjà vu le hello il y a 2 semaines. Avec le Q. C'est le prochain, c'est bien niveau mana en tout cas. Bon, après, tu vas encore à corps pour mettre le Q, quoi. Oh, c'est affreux ce que tu viens de faire. J'ai mis la pression. Mais c'est un trade dégueulasse, t'as perdu 10 000 mana pour rien quoi. Mais c'est pas grave parce que je freeze la line de toute façon. Mais archi pas, enfin ça marche pas comme ça. Tu mets 2-3 petits Q, du coup tu de last hit, mais. Là du coup voilà, t'as perdu ta lane quoi. Non, non, j'ai 10 fois plus de last hit qu'elle. Mais ça a aucun rapport là, pouvoir back TP, toi tu vas être contraint de back à pied au moment où. Non, je backerai pas, peut-être te faire die, enfin là tu vas. Ah, vous allez voir, je régène. Ah, ok, je vais voir. J'ai plus l'habitude de la terre ferme. Ça va être dur pour toi de last hit sous tourelle en plus. Ouais, grand plan, c'est extrêmement ça, grand plan coach. T'auras plus de mana sous, non? Ah, regarde, moins 1. Le mana est illimité avec le parley. Le parley. Elle sera pirate comme moi. Empêche tank Sparrow. Allez, moins 2. Je suis sûr que si vous prenez comme ça, c'est facile. Hein. Voilà, ça va, c'est bien. T'as une bonne rotation là, parfait. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau mana, t'es compliqué. Par contre, il y a un bon gang qui va arriver. Il va falloir que tu la mates. Oh, c'est un Ramu! Mais il va pas en mode bourrin. C'est un Ramu? Il vient pas. Je pensais que le Ramu était en voie de disparition. Non, il revient bien là. Ah d'accord, c'est une grande nouvelle ça, parce que t'as... Le sport. Oh, ça c'est pas de chance, c'est bug ça, bug graphique. Non, non, c'est juste que t'es pas concentré. Faut vraiment que tu calcules les minions. Putain, les nouvelles tours sont pas terribles, vivement qu'on nous rende notre faille. Hein. En tout cas, la pétition que j'ai fait au collège, j'ai déjà attendu 15 signatures là. Enfin. Tu peux l'avoir, l'acide du milieu là.
Maintenant, oh, trop tard. Elle a besoin de coach. J'ai dû tirer. Elle a besoin de coach, vous savez. Okay. Faudra que tu penses à back. Hein. J'aurais su, j'aurais pris le TP. Hein. Bah, t'aurais mieux joué ton match-up, t'aurais pas eu besoin du TP. Ah, non, mais tu joues avec Ignite et t'as joué trop défensif, quoi. Ah ouais, ouais. Si j'aurais su, j'aurais vraiment pris le TP. Je crois. En avant, mes gaillards. En fait, ça marche pas comme ça, League of Legends. Tu prends des summoners et tu Tac. Joues de manière. Plein de tête. Je pense qu'on va pas commencer le level 6, coach, ok. Je vais mettre un petit ulti là-dedans. Ah bah, clairement. Elle pourra pas me dive de toute façon. Si, elle va avoir son 6 avant. T'inquiète, je contrôle la situation, coach. Hop, t'as ton mini heal. Fais de garder de la mana par contre maintenant. Par tous les diables! Bon, ça va, elle va faire son back TP. Ah, c'est dommage, ça, j'ai tenté de troll tout. Non, j'arrive pas. Elle peut te déchirer là. On avait pas level 6, coach. Bon, là, pour l'instant, elle est extrêmement bien. Là, on a sur l'élastique et elle a. Hop! Elle a foutu back. Vous pensez? C'est bad timing. Et elle va te mettre le E là. C'est ça qu'elle est pas trop, je contrôle la situation. J'ai un flash, j'ai un dig dive. Franchement, si elle te dive, tu peux la gérer. Je pense que tu tournes autour. Je la tue. Tu lui mets l'ignite, tu tournes autour. Non, vraiment. Ne cherche pas à la tuer. Oh, garde ta mana, je t'en supplie. Je vais lui couper la chic, coach. Là, si elle te dive, faut que tu flashes sur son dragon. Et quand elle te flash in, tu mets ton smite, tu tournes autour et tu l'ignite. C'est exactement ce que je comptais faire. Et tu la tapes pas. Et tu cliques ta... Non! Putain, tu vas avoir besoin de mana là. Elle va le tenter. Chaque bastide compte. C'est la guerre, vous savez. Le corsaire de la faille. On voit que vous n'étiez pas là en 40. Là, je back. Au pire, faut un ulti là. Je back et je fous l'ulti quand c'est autour. Bon, je sais pas, tu peux le foutre avant. Dès que je suis en bas, quoi. Il va être trop lourd par contre. Pas sur l'habitude. Back, profite-en là. Ah, ça joue bien là, ça joue très bien. Ah, il est bien la nouvelle animation. Tu vas prendre un E hein. Mais non, coach, arrêtez. Vous êtes toujours défaitiste. Vous êtes défaitiste, coach. Hein. Bon, là, je vous dis, on a progressé. Et ben voilà, large. Alors, moi, j'ai l'habitude d'avoir parti directement sur ma Trinity. Ok, phage. Donc, non, plutôt tout ça. Hein, histoire d'être quand même bien. Bien crédit. Prends des bottes. Revends une potion. Fais Undo. Et reprends des bottes. Pourquoi ça s'appelle ça Undo? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça Undo, mais je crois que c'est retour, non? Undo. Je sais pas pourquoi j'ai dit Undo. Ah, je sais pas du tout. Je crois que c'est ça. J'appelle ça le remboursement. Ok, allons-y. Non, là, ça joue bien, là. Quand même. Bah, c'est correct. Après, t'aurais peut-être pu aller sur le Static Shiv pour avoir un meilleur contrôle de lane, vu que j'ai l'impression que tu as envie de farmer, tu vois ce que je veux dire? Et du crit, parce que là, t'as pas de crit. Parce que moi, là, je bouge pas de mana tant que j'ai pas 300 de CS. Voilà. Non, mais si. Ah, mais ça, c'est le nouveau talk, ça. Ça, c'est le talk qui farm. Non, mais il va falloir que tu bouges ta lane. Ça, après, ce qui est bien, c'était quand même l'ultimate pour rendre utile, mais enfin, tu peux pas prévoir à l'avance que tu restes sous ta lane FK pendant. C'est coach, quand on a connu la guerre comme moi, on sait que c'était important de farmer. T'as connu quoi comme guerre? La guerre des boutons, le film. Ouais. Ouais, par contre, dès qu'elle revient, je veux que tu joues agressif hein, sur elle. Hein. Okay, c'est-à-dire que tu mets des. Tu spam les Q. Par contre, peut-être pas en mode comme ça, pas pendant que t'as le. Ah, mais sur c'est toi. Vous, coach, aussi qui me dit de. Mais, bah, faut réfléchir sur tes trades. Je connais pas ce perso Shyvana. Si elle te met le E, tu trades pas, tu la maintiens à distance. Mais mets-lui un Q là, toi. Il faut farmer, coach. Le farm. Mais tu vas perdre la lane si tu fais ça. Mais on gagne la lane allègrement là. Mais archi pas. Vas-y, mets-lui des Q. T'esquives son E, tu mets. Arrête de vouloir la stit. Oh ça fait des golds en plus, coach. Et le problème, c'est que tu perds la lane et tu vas devoir back. Enfin, qu'est-ce que vous... Non, là, franchement, je suis pas d'accord parce que niveau farm, on l'out farm totalement. Mais tu peux farm même sans c'est, le C'est quoi cette team IM là? C'est quoi? C'est quoi cette team là IM? Je sais pas. Vas-y, mets-lui des Q. Mais elle me tue. C'est pas une forte team ça, voilà, IM? C'est bien ça. Tu imagines, je l'aurais mis 3-4 déjà, t'aurais gagné la lane. C'est pas une forte team ça. Remets-lui un Q. Je trouve que c'est un joueur de LCSS qu'on a en face de nous. Esquive juste le, fais gaffe, prépare-toi à faire un pivot. Ok, c'est bien. Vas-y, remets-lui un Q. Ignite. Voilà. Va jusqu'au bout, tu leur mets un Q, tu me forces l'ultimate. Ne flash pas. Ah voilà, coach, là, vous m'avez déçu parce que j'étais prêt pour y aller là. Ah, j'allais dire à l'abordage là. Et on était lancé comme en 14, mais bon. Remets lui des Q, continue. Mais putain, je peux pas, j'ai pas l'abordage. Parce que tu la laisses avancer en fait, c'est ça que je veux te dire. C'est... Même si tu l'as pas le cooldown, tu vas la récupérer. Ton positionnement est mauvais. Hop, double clap. C'est important. Bon, je vais regarder la mana pour Q en bout, quoi. Arrête non, parce de. Mais on récupère ça. On s'en fout. Tu peux gagner ta lane, tu t'en bats les couilles de la suite. Vous connaissez pas la metagame du grand clan, coach. Je l'aurais juste tué 3-4 fois à ta place, quoi, avec les opportunités qu'elle te laisse, c'est incroyable. Voilà, tu vois, elle touche plus à la stit. Là, tu. Bah voilà. Pourquoi tu faisais pas ça depuis le début de la game? Parce que j'aime bien, ça fait plus de gold. Tu t'en fous des golds, c'est pas les golds qui vont faire gagner la game, t'as déjà gagné. Enfin, le but c'est que elle en est pas, vas-y, un Q. Voilà. C'est un peu le MMC du grand plan, quoi. Putain, quoi, tu. Allez, concentre-toi sur le Q, je pense que t'es capable de le faire. Là, normalement, elle va back TP. Push et back. Toi, tu reviens, t'es bien sur la. Voilà, un Q parfait, tape ça. Un petit coup là-dessus et back. Par tous les diables! Ça c'est bien là, vraiment là. Hein non, mais t'es pas concentré, mec. Niveau farming, c'est top. Okay, elle a plus de TP. Et au premier farming de la game. Hein. Un peu de choses près. Franchement, tu veux pas faire un crit? Va sur Static Shiv.
Vite fait, je... non, non, mais... non, non, attends, attends, attends. Ce... pas ça. Ça là. Ça. Parce que tu vas avoir des PO supplémentaires. Non, mais tu t'as assez, t'as assez. Ouais. Ah ouais, mais... moi à l'époque, sur mon GP, vous savez ce que je fais comme staff coach à l'époque, à la belle époque, comme je l'appelle moi. Je faisais le cœur d'or. Ouais, tu faisais full item goal. Full... 4 item goal. Ça, c'était très fort. Bah, c'était la belle époque. Bah, c'était la belle époque, hein, de toute façon. Mais là, ça joue bien, là, vous avez vu. Là, je me suis bien entraîné. Parce que vu que Blizzard, ils n'ont pas sorti l'extension. Tu peux faire tellement 2 fois 3 voix mieux, quoi. T'as encore beaucoup, beaucoup d'efforts à fournir. Ouais, on est très bien. Faut juste que tu fasses ce que je te dis. Ah, cesse. Ils vont drac. Franchement, Chivana qui décale, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait, nous ? Non, ce. Ah, c'est relou ça. Il l'a fait tout seul, lui, tiens. Tu es pour rien. Vas-y, push ta lane, elle a pas de TP, il faut qu'elle revienne sous ta lane. Après, tu sais que t'as le. Alors, moi, j'aimais bien à l'époque mettre sur. J'ai pas une petite rune crit en plus. Juste une petite rune crit, mais j'en ai pas sur ce compte. Tu sais que le Tiamat, ça proc sur le Q. Ouais, mais je suis pas fan du Tiamat sur le GP. Hein. Quand tu l'as sti, t'as le bonus de gold sur tout le monde. Ouais, ça poche. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si tu mettais genre une auto-attaque sur les range melee, tu leur mettais le Q-spell, t'avais les 3 la sti et les 3 bonus gold. C'est fort ça. Ouais, c'était fort ça à l'époque. Je sais pas si ça le fait toujours, mais je pense, c'est vrai que l'encore, je le vois jamais. Là, on poche. Hein. Bah, j'ai l'impression qu'il y a toujours mid. Hein, là. Par contre, regarde, si tu peux mettre un ulti-bot, hein, je prends pas l'info. Bot peut-être, il a peut-être 2 PV le mec. Ouais, ça sera la surprise du chef ça. Tu sais, si tu joues Gangplank, faut absolument que tu regardes toute la map. Quoi. Après, on m'a pas appelé avant. Mais. Enfin, c'est à toi de jouer ton champion quoi. Ils ont dit, bon, il y a Corbeau. On a encore serre, on a un pirate là. Vivement la saison 2. On joue pirate, coach là. On est dans le non mais vous m'avez dit de rentrer dans le personnage, on m'a dit. Oui, c'est vrai. Avant de commencer à s'entraîner, vous m'avez dit qu'il fallait que je rentre dans le personnage. Excuse-moi Jack Sparrow. Torque Sparrow. Qu'est-ce que je fais du coup? Bon, t'as pris une petite tourelle. Va jusqu'au bout, hein, tu la valides. Elle va arriver la Shyvana, mais n'aie pas peur. Je la tue. Ouais, t'aurais même dû claquer ton E, mais bon, c'est bon, ça passe. Et voilà. Je prends cette lane. Tranquillement, voilà, on se recule un petit peu, coach. Ouais, mais regarde, vas-y, mets le DQ. C'est la fin! Il n'y a pas en mode bourrin. Elle te gagne au trade comme ça, t'as remarqué, t'as toujours pas compris ça? J'ai un level d'avant. Ah non, je crois que j'ai un level d'avant. Mets lui un Q pour la slow. Oh, mais l'ulti. Non, mais c'est bon, ça se passe, non? Non, ça se passe. Parce qu'au final, là, j'ai gagné le trade. Enfin, parce que moi, j'ai quand même plus de femmes qu'elle. 80. Ouais, presque. Ok, là, je fais. Ouais, je pense que le statique. D'accord. Après, tu restes ta trinité si tu veux, c'est pas un mauvais item sur Gangplank, mais je pense que le statique, au moins, tu vas pouvoir. Tu vas mettre encore un outil là-dessus. Là, c'est ça le problème, c'est que tellement t'as pas le contrôle de ta lane, t'es obligé de. Fais-le, hein, t'as raison, mais t'es obligé d'ulti pour des sbires quoi. Bah, est-ce que c'est vraiment un problème? Bah, malheureusement. Parce que là, on joue un peu Plank Farm là en fait, donc. Ouais, mais bon. Je pense que ta team aurait pu profiter de tes ultis. Bah, après, c'est vrai quoi. Que c'est des feeders avec moi, donc faut que je pense toujours que je joue avec des. Non, mais ils ont beaucoup de contrôle. T'as Gramius, t'as Alissandra, c'est que tu joues. Je retiens votre conseil numéro 1 que vous m'avez appris hors live. Pense toujours que tu joues avec des sales merdes. J'oublie pas. Votre conseil était un bon conseil. C'était quoi le conseil que je t'ai donné? Je pense toujours que tu joues avec des sales merdes. Ah bon, j'ai dit ça moi? Ouais, vous avez vu ça, poche. Juste avant le live. D'accord, juste avant de commencer l'entraînement. Tu le dis, vas-y. Oh, t'aurais pu leur mettre un Q! Mais non, mais je cours là, vous êtes fous. Mais une fois qu'elle se retourne, c'est une Shyvana! Mais elle a mis du temps à se retourner. Enfin, je pouvais pas finir tout de suite qu'elle se retournait. Mais anticipe, enfin, tu sais qu'elle va se retourner. C'est peut-être moi qui suis. Je connais pas trop, Shyvana, mais j'ai du mal en fait. Je connais pas trop, Shyvana. Bah, au corps à corps, elle te déchire. Tant qu'elle est pas au corps à corps, tu la déchires. Voilà, point. Et donc, évite d'aller lui mettre des coups d'épée. C'est pas une épée, c'est un sabre. Un sabre. Sabre de corsaire. Oh, ouais, bien joué, voilà. Faut que tu mettes ton Q spell et tu cours. Ouais, tu cours. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a vu? Et là, tu peux lui remettre des Q. Un Q, vas-y, elle peut plus revenir sur toi, elle a plus rien maintenant. C'était la vénérance de la Shyvana. La vénérance de la Shyvana, là. Bah, en fait, t'as un match-up positif, mec. Non. Mais si, de ouf. C'est un mauvais match-up. Allez, Q, voilà. Patient. T'aurais pu. Là tu peux y aller, mais on a jusqu'au kill quoi, limite. Hein. T'as l'Ignite, hein. Va chercher dans le bush. Va, fonce, mets ta ward, Ok. Calme-le. Non mais si elle est backée, tu l'as tué là. Tu lui remets un Q. Là c'est que tu vas voir. N'oublie pas de ward. Et lui met un Q là, arrête de la laisser. Mais hop, encore à corps. Il toi. Elle est morte. Worth it. Mais pourquoi tu vas encore à corps là? Mais c'est elle qui a flash. Kill, gars. Mais la flash, coach! Mais t'as fait check le bush! Mais la flash! Oh, regarde, tu vas voir le replay. Ah non, tu l'auras pas. Elle a flash! Mais heureusement, mais tu pouvais quand même survivre de ouf là! Mais pas du tout! Mais si, tu courais, dès qu'elle repartait, tu lui mettais un Q. Mais elle a all-in le kill, j'ai failli survivre. Mais tu pouvais survivre, attends, vous avez fait 3 auto-attaques au corps à corps. T'as un Q, toi. Elle a pas ça. Toi, elle dit worse pour moi, t'as vu? Worse. T'as vu? Tac. Parce qu'elle a flash et tout. Totally worse du coup. Vas-y, oui, mais pourquoi t'as flash toi avant, rappelle-toi? Prends des potions. Ah oui, c'est vrai que j'ai flash avant. Bah oui, t'as flash avant parce que t'as fait de la merde. Donc dans tous les cas, dis-toi que tu l'as tué 10 000 fois quoi. T'as peut-être dû prendre une potion de mana. On avait un, c'est fort. On avait un. Non. On avait un, c'est fort. Concentre-toi, s'il te plaît. Montre du beau jeu, quoi.
Mais là, non, là, on peut pas dire que ça joue pas bien. Ça joue bien, là, niveau farm et tout. C'est des... Ça, ça fait quand même quasiment un crypt toutes les minutes. 10 crypts toutes les minutes, quasiment. Ouais, quasiment. À 50 CS près. Bah, presque, franchement. Ouais, ouais. T'es presque LCS, quoi. Du coup. Bah, franchement, je regarde. Parce qu'hier, en fait, j'ai regardé un peu les VOD avant le live, en fait. N'oublie pas, ne va pas encore à corps que des Q à distance, quoi. En plus, là, la overaction, du coup, coup de beer, tac, parfait. Là, voilà. Bah, après, tu leur mets un autre Q et après, tu pars. Un Q et après, tu repars. Voilà. Tu sais, de faire attention à pas manger. Ouais, j'ai pas trop de faim avec ça aussi. Voilà. Ah, la Max LZ est contre lui. Ah, il y a un poteau. Oui, c'est bien, ça va. Il a mis Fa. Parfait. Voilà, t'as ta ward. Eh, hey, mon kill. Allez, le corsaire de la faille. Ça décale, ça décale. On te ping au lieu de fêter un kill en solo queue à Silver, quoi. Voilà. On les tue là, non? On les tue. Le corsaire de la faille. Le pirate. Prend des potions, fait des trucs. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des kills en Silver. Le pirate et cette mer. Oh merde, que j'en peux plus. Mais ça coach. Ouais, c'était bien. Mais tu sais, pas les. C'est un peu le même move qu'a fait Weekend l'autre fois quand j'ai regardé ses VOD il y a 5 ans. Si, le champion est fort, hein. Le corsaire est fort, mais c'est tes fêtes de victoire là qui me. Alors t'aurais pu éviter le grab, tac, tu es là. Mais après, j'ai fait exprès de me faire grab pour. Ça, c'est relou ça par contre. Tu cours plus vite. Elle va te chase. Hein. C'est quoi ça? Oh, du drake, c'est formidable ça. Ah, ça joue bien là, franchement. Oula, ton bac est risqué, hein. Oh, ça se passe là, franchement, on est large à mon avis. Là, on est large. Ouais, on est large. Eh, ça joue bien, non? Ça pourrait être mieux. C'est quand même fort, non? Ça pourrait toujours être mieux. Alors là, on va partir directement sur l'autre phage. Ça serait parfait, je te le dirais, mais ça l'est pas. Ah, ça alors. Non, je crois que. Non, trop tard. Sorti de la base. C'était bien, hein? Je prends des potions au pire, pas. Non? Parce que je vois que ça se joue à rien. Là, je pense qu'on peut la tuer là maintenant. Vas-y, je la farm, non? Je suis quand même à 3-1-0. Moi, t'as combien de crit fait C? T'as combien de crit? 30%. Ouais, c'est énorme. Ah, c'est énorme. J'ai plus l'habitude de la terre ferme. Ça sera pour elle. Non, farm. C'est beaucoup de la speed. Ouais, Max le Z. Hein. Ah bon? Ouais. Max le mousse-pied en fait. Ouais, son E lui t'as pas fait de dégâts. Il y a deux possibilités, Max. Soit tu Max le E ou le Z. Non, je parlais de. Là, Shivana et Max le mousse-pied en fait. Elle court très vite. Ah, c'est bien joué ça alors. Elle a quoi comme boot? Ah, j'ai pas de boot moi aussi. Mais elle t'habille ou pas? Contre toi, y'a que ça qui est intéressant. Elle a fait quoi? Elle a pas fait de boot en deux. Elle a une Sunfire. Maintiens-la hors de distance, quoi, vraiment. Je pense que ça va être hors de décaler. Ouais, c'est une bonne idée ça. C'est ça qui est bien avec le static shield. Ah, là, y'a une ping dans ton bush. Ouais, une ping. Oh là là, ouais, c'est important. Comment dire? Là, c'est ça qui est bien avec ton stuff, c'est que tu vas pouvoir push très rapidement, plus rapidement que Shivana et décaler en boucle, quoi. Je pense aussi vite qu'elle, je pense, non? Oui. Oh, y'a mon poteau! Je vais le tuer. Mettre du temps. J'ai peut-être un truc à faire mine, non? Mais c'est important ça, donne la vision. Ouais, voilà, nice. J'ai rien à faire là, je pense. Bah alors, remonte top après. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ah, il est relou lui! Ça se passe. Je pense que c'est par là, je pense. je pense que tu risques rien. On sait jamais, je préfère jouer safe. On a dit que c'était la thématique, c'était de jouer safe et intelligemment aujourd'hui. Oui. Donc on joue safe et on joue intelligemment. Ça y est, ça commence. À 18 minutes 22. Quoi? À 18 minutes 22, ça commence, ça y est. Tu vas jouer intelligemment? Hein? Je sais vraiment quoi. Ouais, de jouer intelligemment. Mais on joue pas intelligemment depuis le début de la game. Bah, y'a eu des trades qui étaient pas super ouf quoi. Ouais, je pense que t'en es conscient. Y'a peut-être eu une petite. Une petite grid quoi, mais enfin de. Sinon, on est pas de des petits Q, hein. Ne laisse pas non plus. Trop free. Mais voilà, y'a pas un CS, enfin c'est formidable ce qui se passe là. Mais lui des Q, hein. Là, en fait, elle a plus son Z, du coup là elle est vraiment free quoi. Là c'est du League of Legends. En fait, ne va pas mettre d'autodag, mets des Q et tourne autour d'elle. Voilà, tourne, tu aurais dû te mettre, tu vois, faire ça, lui remettre un Q et faire ça, tu sais, tu tournes autour d'elle en fait. Ah ouais, elle va vite. Mais quoi, elle va avoir son Z. Parce que le mec au mid ne warde pas, donc j'ai pas la vision. Après, c'est ta vie, après si tu te fais gank, tu flash out, enfin tu fais des trucs. Ah, en bas! Il se passe des choses! Voilà, l'avantage! Ta lane, elle a pas. Putain, mais c'est un truc de ouf ce mec! J'ai sorti pour aller. Pourquoi tu fais des trucs? Tu t'appuies sur un one touch, tu fais des trucs? Parce que c'était extraordinaire comme move, non? T'as regardé ta map et t'as appuyé sur R, ouais, c'était bien. C'était un super move, non? Non, c'est ton job en fait. Enfin, je veux dire, oui, mais c'est. Mais mets des QO sur elle, t'aurais pu encore mettre 2 ou 3! Parce que c'était un move digne quand même de. Non? Tu dors quand tu joues. Toutes les semaines, c'est la même chose. Tu dors quand tu joues. Mais là encore, t'aurais pu leur mettre un QO. Là tu aurais pu. Ah voilà, merci. Tu vas maintenir disant bravo. Et quand elle se retourne, qu'est-ce que tu dois faire? La défense. Tu lui en mets un Q. Bravo. Oh, c'est fini pour elle, là. Je sais pas où elle est. C'est pas grave, je la bute. Mini Knight. Flash, elle a pas son flash. Ah bon? Bah là, elle a pas son flash. Là, tu la slow. Une information digne de confiance. Non, j'ai anticipé le fait qu'elle ait les flashs. Un call digne de confiance, en tout cas, ça fait plaisir ça. Non, bien joué, en tout cas, ça fait flash pour flash. Un call digne de. Oui, bah oui. Mais tu vois ce que je veux dire? Dès que tu passes à l'agressivité, tu gagnes. Pourquoi tu fais pas ça, genre depuis tout à l'heure en fait?
Un coach de confiance. Ça fait quelques fois que ça arrive, hein, ce genre de choses. Mais le fake timing. C'est vrai, tu prends pas les timings. Prends, note-le d'ailleurs. Comme heureusement que vous avez pris le vôtre. D'ailleurs, 24. Non, vous avez, je l'ai dans la tête, c'est bon. 24, combien? Je l'ai dans la tête. Combien? 24. 4, 4, et voilà. Quel est ta. Il n'y a pas un autre moyen de te référer? Si, si, LOL King. Non, mais autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle a flash? Bah, Drake. Non, mais. Quand elle a flash, t'as fait quoi, toi? J'ai flash. Ah, bah alors, quand tu récupères le tien? Récupère le sien! Et pourquoi j'ai flash? Parce que tu pensais qu'elle avait pas son flash. Je pensais qu'elle avait pas son flash, c'est ça? Bah, je t'ai dit qu'elle avait pas son flash. Voilà. Mais dans tous les cas, ça fait flash pour flash. En fait, ça faisait flash pour kill, flash pour flash. Non, parce qu'elle a flash un peu avant que je flash. Genre, t'as l'infinité, prends des potions, il retourne sur elle et tu l'as quoi. Mais tu prends. C'est ça qui m'embête. En fait, j'ai l'impression. T'as l'impression que c'est t'es opportuniste. En fait, t'es opportuniste. Parce que ça, en fait, t'as l'impression que t'as eu une occasion de le faire, mais en fait, depuis tout à l'heure, tu peux le faire en fait. Non, mais la coach. J'aimerais entendre dire que je carryarde. Non, tu perds, toi là. Je carrière, t'es bien dans ta game, là. Mais t'aurais pu faire tellement plus. En fait, tu carries pas. Tu carries pas hard en fait. Tu hard carry. Tu joues norme, tu joues bien, ouais. Tu joues bien. Mais tu carries pas hard. Mais tu carries hard, je te dis, tu l'aurais déjà tué deux fois en early. Mais ultimate. Toi, tu as des sbires, tu peux me faire très très mal. Ah, c'est chaud ton trade. Hein. Elle est morte. Elle est morte. Worse. Je pense que en jouant plus intelligemment, tu peux vraiment la. Worse it, ça. T'avais la coach. T'avances. Ah, ça c'est bien joué ça! Je veux plus de lui! 5-2-2! Il est pas prêt! Oh là là, quel move! Oh là là! Mais est-ce que tu. Ah, oh, on aurait dit Faker! Ah, oh, c'est super! Oh, quel pied! Oh putain! Ah, oh, qu'est-ce qu'on fait comme bot coach? Soit lucidité, montre s'ils ont quoi. On va faire ça, je crois. Je crois qu'ils ont juste une Oriana. Non, Mercure, okay. Ça sert vraiment rien. Lucidité ou. Non, Mercure, je pense que ça sert à rien. Regarde, ils ont que Oriana. Faut faire tabulation pour connaître son stuff en fait. Moi je connais la team Adler Sparker, c'est pour ça. Rihanna, donc. Ah, ils ont Udyr donc. C'est des dégâts magiques. Lucidité, je pense. Non, je pense lucidité. Non, Mercure. T'as que le stun de Udyr pour la ténacité, c'est trop cher. Non, mais avant de sortir de la botte, revends tes bottes. Ah, d'accord. Moi je t'écoute, je fais confiance. Hein. Oui. Lucidité. Ah ouais. Oui, bravo. D'accord, ok. Et là tu veux faire quoi? Tu veux faire un thème défensif maintenant? Ah, on va partir sur les lieux évidemment. Bon, vas-y, alors attends un peu. Tu veux faire full vendu, tu peux, les deux sont viables. Ah, mais là on a un Ramus donc. On a un Ramu, donc quoi qu'il arrive, voilà. Bah oui, il y aura du temps, c'est sûr. Non. Les deux sont viables en fait. T'aurais pu faire de la risque magie. Ah, franchement, le retour de Ramu me fait plaisir. Ça va, t'as bien. Ah, le retour de Ramu. Ah, parce que moi, je me rappelle la saison 1, le Ramu de Torque était quoi. On va appeler la taupe du ladder. Ah, c'est super comme personne. Oh, y'a Drake! Y'a Smoke! C'est que l'extension. C'est que ça sort demain, coach. Je vais qu'on aille au cinéma ensemble demain, coach? Non, moi je sais pas. Ok, d'accord. Oh, on est un peu. Regarde, ici. Oh, il est fin. Oh, c'est fini pour lui. Oh, il est so dead. Oh, il est so dead. Oh, il est so dead, ce gros bâtard. Tu sais que ton Q-spell, il enlève le somme, c'est pas grave. Eh hey. Ciao. Bon baiser de mon cuc. Ok. Bon baiser de quoi? Mon cuc. C'est quoi? Je fais pas cette référence. Ah, ok, bah tant pis. Non, dis, c'est un film. Non, tant pis, coach. Je fais des bons baisers de Russie ou un truc comme ça. Ouais, tant pis, coach. Vous non, vas-y, dis, explique pour toutes les personnes qui. Non, mais pas, les gens normaux. Vous savez, coach, les gens normaux connaissent ça. Mais un ulti. Ah, oui, j'ai mon ulti, c'est vrai. Pas mal. Et là, regarde ton Q-spell. Oh là là! Oh là là là! Il a quelque chose! Oh, c'est super! J'en peux plus, ce mec a pas de sang-froid! Tu stresses! On appelle Drake! La merde! On appelle Drake, par contre. Non, mais t'as pas de sang-froid, mec! On appelle Drake, du coup. En plus, il fight! Oh là là! On appelle Drake, d'ailleurs. Mais c'est normal, il se focus uniquement là-dessus, le mec. Ah, ouais. D'accord, ok. Parce qu'on a pas. Parce qu'on a... Du coup, on appelle Drake. Non, mais bon. Donc, ça veut dire que le jungle là, tu grosse merde. Non, franchement, là, dans ce moment-là, c'est. Enfin, déjà, toi, t'aurais jamais dû dans la shockwave de Rihanna. Ah, j'étais dans Shockwave. Ouais. Bon, regarde, fait recap de dégâts, je pense que t'as mis très cher. À chaque fois que je dis ça et qu'on va vérifier, ils mettent jamais le truc. Regarde, mec, ils t'ont mis quoi? Regarde ce qu'ils t'ont mis. Dégâts physiques 420, un vieux truc de Dragon Sound 14 et 3 points. Enfin, J'ai bien joué. Hein. Alors que tu t'es pris une Shockwave à 800, quoi. J'ai trop bien joué. Une bouteille de rhum. Attendu pour la BF. Oh, je fais ça au pire. Voilà, Doran au pire. Je vois ça au pire. T'auras pas assez. Ah, quoi que, c'est les 3 potions? Si, c'est bon, on est large, on est large. Large, quoi. Putain. À la dernière fois que j'ai aussi bien joué, je crois que c'était dans le. Off. Alors, ça devait être dans la demi-finale paroissiale dans la ville de Melun. Avec Kamel et Simon, quand on a fait la 3v3. Le tournoi 3v3. Est-ce qu'on peut faire la. Comment? Ah ouais, coach, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut faire la forêt fortune avec Karim et Simon? Oulala. Vous pensez qu'on peut le faire ou pas? Ça, s'il vous plaît, coach. Ah, on est trop fans, on regarde tous les soirs. On verra déjà à la fin des 5 épisodes si tu le mérites. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Ok, c'est cool. Ouais, c'est super. Ah là, tu l'as cité au Q-spell en fait, des fois. Bah, ça fait des golds en plus. Hein. Ah, mais là, tu le fais pas. Ah, bah oui. Mais j'y pense. Oui, ouais, c'est bien. Au moins, tu le sais. Hop.
Wiggle, hop. En plus, nous avons de la CDR, le plus savoir comment faire en plus là. Ça, c'est formidable. Ouais, mais en fait, le but anti-fight, c'est de jamais être dans la shockwave, dans le grab de Thresh. Si t'esquives ces deux trucs, bah, ça fait mal, t'es free dans le teamfight, tu fais ce que tu veux. Bah, c'est vrai que ça fait mal. T'es très squishy, mais tu fais très très mal. En fait, tu dois jouer que sur tes Q-spell. Ne va jamais mettre d'auto-attaque, ok? Oh, meurtre. Oh, c'est super ça. T'as compris ou pas? Pas d'auto-attaque. Pas d'auto-attaque. Que quand t'as, gagné, t'as déjà un peu gagné le teamfight, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est pour alors, le panache. Finir, ouais, voilà, le panache. Le panache. Le panache. Si tu veux. Je pense mais sinon, jamais auto-attaque. Si tu recules, il y a une joker qui arrive, bim, tu mets un Q-spell, tu recules. Oh, il y a l'autre grab, oh, tu esquives, tu remets un Q-spell. Je pense qu'on va dive là. Mets des Q-spell, mec. T'as de la CDR, t'es full CDR, t'es pas. Voilà, remets-le un. Voilà, parfait. J'en mets je peux. Hein. Oui, c'est bien, voilà. Voilà. Mets pas ulti. Qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es sûr, t'es tellement sûr, c'est pas dégueu, mais. Bon, tu vois les dégâts du Q-spell de. Ouais, bah, je sais. Franchement, ce champion peut hard carry en. Mais je connais, c'est mon champion. Pour ça, je ferai une vidéo YouTube où je présente le perso. Attends, peut-être que tu mets un petit coup de joue. Je pourrais faire une vidéo YouTube où je présente le perso. Si la Lissandra y va, tu t'envoies direct l'ult. Hein. Je veux que t'envoies l'ult avant la fin de la griffe. Hein. Ah, parce qu'elle fait... ah ouais, c'est quoi c'est... Ah oui, c'est vrai. Ouais, va y aller. Elle va y aller. Prépare-toi, mec. Appuie sur R. Allez, mon pote. Allez, on y va. Charge la baïonnette. Allez, barrage, vous saillons. Du rap des femmes et de la bière de Dieu. J'en peux plus. Ils sont mes griffes. Je vais rentrer dans la JV. Tu lui mets les deux shots dit au Lucien. Salut mec. Non. Ça va ou quoi? Regarde le coup. Oh dommage t'as pas crit. T'es vivant. Non, easy. Franchement easy. La dernière fois que t'es aussi simple c'était quand... Oh, je sais plus. Voilà. Ah, ça joue bien, coach. J'attends pas en 5. Ah, formidable. Juste à la Ninfest qui était. Ah, ça, vous avez expliqué Darkus là. Enfin, tu fais un peu ce que je dis. Et ça, c'est bien. C'est depuis que Darkus là est venu nous voir en live. Ça, vous savez, ouais, je suis Charlotte Rob maintenant. Je vois ça. Ah, j'ai compris que si les nus c'était pour faire un peu du repérage pour les Millennium Spirit. Donc, ah, j'ai bien compris que là, de toute façon, Gob, ça peut plus durer. Bah oui, c'est ça. Il voulait voir un peu ton niveau. Il a plus le niveau, top. Donc, du coup, tu dois jouer très très bien, monter en ladder pour lui prouver que t'as la place. Bah, c'est ça. Et là, en ce moment, c'est parti là. Voilà. Là, je pense que je vais passer diamant 1 d'ici 2-3 semaines maximum. C'est vrai? Ça me ferait plaisir. Ah bah là, vous savez que je suis monté or récemment. Oui? Non, c'est pas vrai, mais bientôt. Enfin, j'aurais pu monter or. Là, tu peux mettre un petit gank mid. Passe par derrière. Je crois qu'il est mort. Ah bon? Non. Non, mais je crois que c'est mieux, je pense. Alors que si t'avais fait peut-être le tour comme ça et que c'était pas wardé. Mais non, parce qu'il l'a aggro et qu'elle s'est barrée. Qu'il s'est pas tué. Oh, mais ça se trouve, elle est là en train de back. Hein. Ouais, c'est trop non. Et bah, elle était là en train de back. Ouais. Des fois dans la vie il y a des hasards. Hein, non, c'était pas du hasard, mec, c'est de la probabilité. Après, il aurait pu ne pas. Alors lui, par contre, il en s'en sort. Regarde le rabu qui fond sur l'ennemi. Dégâts, c'est n'importe quoi. J'ai cassé le kill. Oh, pas du tout. Oh, Nash, tiens. Oh, c'est le Nash qui parle. Non, pas du tout. Il y a pas un break, tab. Tab. 1-0-7. Putain, coach, vous avez les timings dans la tête. Hein. Oh, vous êtes le plus malin, coach. Ah, vous êtes un malin, coach. Arrête. Comment vous faites? L'habitude de envoyer des games et des games. Ah, games. Vous êtes impressionnant. Oh, j'ai pas fait exprès. Ok. Ok, c'est parti. Oh, c'est fini. Oh, les dégâts du. Oh là là. Oh, c'est fini. Oh, ouais, là, il est fini. Capri. Oh, c'est fini. Oh, le 500. Moi, je sais pas c'est Tel Aviv, mon premier amour. Vas-y, continue. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Ouais. Hervé Villa, vous connaissez pas quoi? Je connais ça. Hervé Villa, quand même. Allez, go, go, go. Et c'est où Capri? Dans quel pays? Capri, c'est en Italie. Je vais vérifier. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. J'ai un putain de doute en fait. Ok, on va dire que c'est ça. De quoi? J'ai un putain de doute. C'est pas en Grèce? Pourquoi t'as posé cette question? Ouais, je voulais que tu poses ces questions là, toi. Tu sais que tu sais rien, toi. Putain. Ouais, j'avoue que. Ah, il y a un mec, ça y est. Oh! Il est mort. Oh mais coach, c'est la première épreuve à gagner ensemble. Ouais non, on a déjà gagné au début la première. Ouais c'est quoi, on a gagné. Ouais c'est en Italie mec, mais riche. Ah vous avez vu coach, je suis là, à 9 sur 9. Ah, vas-y on fait le drake. C'est ça nous ça. Ça c'est à moi, oh ça. C'est le combien tiers? C'est comme le deuxième. Malheureusement oui. D'accord, ok. Vas-y, tu devrais back, t'as ton IE. Très important, c'est un item qui est vraiment qui fait la diff. Tu devrais back, t'as ton IE. Ah oui, j'ai pas de jouer. Oh, attends, c'est à moi ça. Merci. Ah. Et du coup, tu vas pas back. Ah si, moi j'en vais. Ah, du coup, back. Nice. Mais c'est la fin pour lui en fait. C'est la fin pour toi, je pense. Aussi.
C'est la fin en fait pour toi aussi. Salut mec. Moi c'est... Tank. Non franchement, wow, c'est parce qu'on les défonce. Ouais mais timing back raté. Non après non. Gros timing. Après franchement je me suis fait... Il y a pas de team fight là. Non il faut dire que c'est la faute du Lucien. Non il faut dire que c'est la faute du Lucien. Donc du coup... Grave pardon ouais. Voilà, bravo. Alors que t'aurais pu ping back à toute ton équipe. Mais on est pas, c'est ma faute non plus. Mais si c'est ta faute. Pas du tout. Mais ça faut que tu le comprennes. Écoute, si tu veux avancer, faut que tu m'écoutes au bout d'un moment. Tu dois dans ces moments-là dire I want back, I have IE, wait, et tu ping rouge. Je ne suis pas leurs assistantes sociales. Mais c'est, si tu veux monter, c'est moi, si je veux lancer la souris, qu'est-ce que vous faites là? Tu crois que c'est ma souris ou quoi? C'est toi qui est censé être actif sur le truc. Si il y a un problème, c'est ta responsabilité. C'est ton étant. Et Ace, et Nashor, et bravo. Le comeback de l'équipe adverse inespéré. Ça fait du Graves, ça. Ça, c'est la faute du Graves, ça. Tu dois, dans ces moments-là, expliquer à ton équipe que tu as ton IE, que tu vas back, qu'ils doivent faire attention. Et si tu leur as dit et qu'ils font pas attention... Oh, l'ulti ! Si tu l'as, t'es un génie, mec. Si tu l'as, t'es un génie, mon gars. Si tu l'as, t'es un génie. C'est le moment. Ouais, franchement, c'était chaud. Bah oui, c'est impossible. Enfin, c'est vraiment, vraiment chaud. Par contre, je crois que la sensibilité de la souris a changé, je crois, maintenant. C'est dommage. Ce qui est embêtant en soi. Ça, genre vraiment masse. Ouais, masse. C'est vraiment embêtant, du coup. C'est pas grave, ça va le faire. Regarde là-dessus, regarde là-dessus, coach. Là, retourne la game là-dessus. Ah oui, c'est vraiment embêtant. Le flash. Non, il a fait gaffe, elle a un bouclier. Ah, mais là, c'est compliqué en fait. Laisse le back lui. Vas-y. Non, mais il y a la Q. La sensibilité a vraiment changé en fait. Ah, la coach, c'est compliqué. Ouais, j'ai vu. Mais là, en fait, là, quand je fais ça fait... c'est compliqué en fait pour placer avec vous. Attends, viens, on va essayer de la régler. Attends. Okay, c'est nice. Bon là, je c'est crois. Bon, je pense là. Non ? Ouais, c'est bon. Ça va ? Pas du tout. Attends, bah, vas-y, attends. Oh mon dieu. Q, faut que tu l'assois. J'arrive pas à la sensibilité trop forte. J'ai l'impression que je vais être triste là. Ok, c'est pas grave, moi je m'en sors. C'est pas sûr. Ah, ouais, pas. Ah, c'est la merde. Remets un E. Attends, je peux avoir un shield dans la tour. Ouais, tu l'as. Ah, c'est bon, nice. Je débarque. Free. Wouah, il est aussi mec que ça. Est-ce qu'on voit pas la tête souris du coup? Non, mais faut que tu changes la sensibilité. Échappe et tout. Attends, je bug d'abord. Oh, t'es mort en plus. C'est bon, c'est de la merde. Non, t'es mort. Ça va sur le merde aussi. EZ. Non, ça va, tu meurs pas. C'est bon, ça va sur le merde. Oui, change ta sensibilité. Échappe, jeu. Et mets genre 35. Tout en haut. Ah oui, c'était beaucoup non? Et mets genre 40 le truc d'en bas parce que ça va. Du coup, il a été changé aussi. Vas-y, c'était ça. Pourquoi ça change la caméra? Quel rapport? Tu sais que ça change la caméra? Ça va mieux un peu. Ça a pas dû changer la caméra. Je me disais, y'a aucun rapport. Ah, formidable! Ah, là on est bien là! Par contre, pareil! Attends, on va faire on va faire ça! Tiens, bah! Bah, là je trouve que c'est trop offensif! Hein. GA! Ouais, GA c'est bien! GA c'est intelligent ça! Ouais. Et les gens intelligents, ce sont les plus dérangeants! Je vais te le dire! Danakil! Anakin! Parce que pas c'est le groupe! Ok, tant pis! Skywalker? Oui, Danakil Skywalker! Bref! Ah mais, mon dieu! Il est bien sur le feu quand même! Je sais pas ce que je te disais! Oui, voilà. Oui, que le reste c'est une grosse non, merde. Que tu dois communiquer avec ton équipe parce que c'est vraiment important. Si tu lui dis l'information que tu dois back, qu'il doit faire attention et qu'il ne le fait pas, là franchement t'as plus rien à te reprocher. Mais là, enfin. Mais je suis pas. En fait, ce que tu comprends pas, c'est pas que tu les carries. Enfin, c'est pas que tu. Mais je ne suis pas leur mère. Mais c'est aucun rapport. Toi, ton but c'est de gagner. Tu gagnes, tu les reverras plus ces gens-là. Et après, plus tu vas monter, plus les gens seront responsables. Mais là, tu estimes. C'est pour ça que moi j'aimerais bien la semaine prochaine qu'on fasse un test et que je puisse jouer sur votre compte en fait, coach. Ouais, ok. C'est vrai, vous voulez bien la prochaine game aussi. Pourquoi pas, hein? Je peux jouer sur votre compte à la prochaine? Ouais, vas-y, la prochaine, je joue sur mon compte. Ah, oh, merci, coach. Ah, ouais, parce que moi, c'est ça, je pense vraiment que j'ai le niveau diamant en fait. Bah, c'est au moins, juste que. Après, mécaniquement, ça veut rien dire. Enfin, tu pourras gagner la game, mais j'ai peur que si tu gagnes la game, tu sais, dans ta tête, tu dis, ah, ça y est, j'ai le niveau diamant, regarde, j'ai gagné la game. Non, parce que si je perds, ça joue pas sur une game, ça joue sur des centaines de games le niveau si diamant. Si je perds, c'est uniquement quand du hello. Bah, on verra sur la prochaine game. Je te laisserai jouer sur mon compte main. Ok, merci, coach. C'est vraiment ce que je voulais pour prouver que j'ai le niveau diamant. Tu vas peut-être mettre un ultibot. Non, je pense que je vais vous garder. Si, faut que tu mettes un ulti bot parce que du coup, ils vont aller des speed push. Ouais, là, au moins, tu leur indiques qu'il faut pas aller bot. Don't lose your time. Comment le trèche est mort? Tu ferais un ulti des Israël. Ah ouais? Il est AP ou AD ton Israël? Je sais même pas en fait. Il est AD, il je AD. Putain, ah, il est AP. Ah, il est AP, tant mieux. Ah, c'est bien ça, non? Bah, c'est sûr que vous avez une masse dégâts. Mais du coup, j'aurais pas d'ulti du coup. Pourquoi? Parce que du coup, ils vont plus faire plus fight maintenant. Mais c'était pas le but, c'est de reprendre le contrôle de lane. Il a déjà dû aller top là. Ah oui, mais un E, histoire de donner de la mousse à tout le monde. Allons-y. Déjà, tu pars. À l'abordage. Par contre, je suis très perturbé par le message qui s'affiche au-dessus de nous là.
Pourquoi c'est marqué Coco Croix, tu aimes les sucettes avec une image pornographique à caractère pornographique. Qu'est-ce qui se passe entre Osiris et Chroma Coach? Tu te fais déchirer. Hein. Non, non, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe dans cette GH avec les garçons? Je sais pas, je crois que c'est Osiris et Chroma qui flirtent ensemble. Ok, d'accord. Bon, tu devrais faire gaffe. Drake! Là, faut que tu restes. T'as vu, coach? Ah, le Israël, j'espère qu'il fait un place. Oh, il fait mal. Oh, il a fait le son, il est chaud. Ça va, il s'en sort. C'est bien. Ah, il est fort, hein! Ah, il est beau, hein! Tu vois ce que je veux dire? T'as récupéré ton ultimate. Oh, ce trash, je récupère le trash. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Par rapport à ton ultimate. Ça, c'est extrêmement mal joué, ça. Ah, c'est très mal joué. Drake. On s'en fout, il l'a tout. Ah, il veut les nib. Ça, t'as 1500 gold, c'est dommage. Drake, c'est mieux que les nib, non? Ah, c'est un split embêtant. Oh, bonjour! Oh, partout les diables! Oula, je suis venu, il s'est trompé de côté, je crois. Oh là, tu sais que si tu savais cliquer, tu l'avais tué. Non, mais franchement, j'ai pas de ma sortie, sincèrement. Ouais, vas-y. Elle, tu la maintiens à distance, un petit Q. Pop pop pop, on a gagné! La victoire revient aux pirates! Ouais, ouais, ouais! Qu'est-ce qui se passe? Oh, de gros bâtards, parce que ça vaut, coach, ça. Oh, vous êtes le plus malin, coach, vous êtes trop malin. Ça, c'est... Je suis fier en tout cas, c'est une bonne game, mais bon. Ah, voilà, j'ai carré là. Ah bah je pense qu'on va arriver en diamant 2 là. Parce que c'est pas diamant malheureusement coach. Du coup on va carry là. C'était beau ce qu'il a fait quand même. Il a le mérite d'avoir fait un tout stylé. Jace ? Ah t'es nul à chier Jace. Là faut que tu fais tabulation. En fait on n'a pas les infos en fait dans tes games. On sait pas les timings de rip-off des gens. On sait pas les timings flash. On sait jamais quand est le drag. Là faut qu'on back là je pense. Tout ce qui est important pour gagner une game de LoL tu l'as pas en fait. Bah j'ai le skill individuel. Et ça? T'as les mécaniques c'est tout. Et encore. Allez t'es mort. Ciao. Bon bah les times, les backs sont au mauvais endroit. Enfin il y a tellement d'erreurs que je sais même pas ce qu'on doit travailler. Vraiment ouais, pas te mentir. Seul Dieu peut me juger. Arrête tout de suite. Okay. Il y a tellement d'erreurs par-ci par-là. Erreur en laning phase. Erreur de warding. Erreur au niveau des backs. Erreur au niveau des items. Erreur au niveau de la section de champion. Erreur au niveau de la réflexion in-game. Erreur de décision. Tu regardes pas la map. Tu utilises pas de mini-map pour tout le monde. Tu l'astites pas si bien que ça. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le Hell Hello aussi! Mais c'est toi! C'est moi le Hell Hello! Tu es le Hell Hello! C'est la révélation d'aujourd'hui, tu es le LOL! Ça, je ne peux pas le croire. Ça. Mais si, mec! Non, je me dis, tu l'es! Je dis, c'est toi! J'ai du mal à. Mec, c'est une révélation! C'est toi! On se retrouve dans le Devil Cheat Code. C'est toi la fille de Jésus. Tu es le LOL! On se retrouve dans le Devil Cheat Code. Non, mais tu l'es élu de Riot en fait, tu es le LOL! Tout ce qui. Tu sais qu'un jour quelqu'un m'a dit ça au collège Saint-Martin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini l'hôpital? J'ai failli finir en prison. Hein. C'est il est mort. Je dis que c'était involontaire, mais. Il est mort. Hein ouais, mais je te jure, c'est vrai en fait. Ouais. Ouais, c'est un tu es le Hello L. Non, c'est juste c'est le Hell Hello. Oh, ulti! Oh, ulti qui met la game! Ah, évidemment. Alors, le follow-up total. Gros follow-up, hein, évidemment, du Ramu. On notera. Franchement, quand même, c'est moi qui ai le meilleur stade de la game là, en tout cas. On s'en fout des stats. Bah, c'est quand même ça qui est le plus important. Quoi. Allez, on le fait à deux. On le fait à deux. Non, mais ils sont même eux en train de le faire à 5. On le fait à deux. Est-ce que je vous souhaite pas, parce qu'ils gagnent la game, s'ils ont le baron, fait gaffe à toi. Ouais, mon poteau. La problème, c'est que Shyvana, franchement, en late game, elle est beaucoup plus intéressante que Gang Plank. Hein. Toi, t'as des gros dégâts, mais tu fais OS. Ouais, mais moi, je suis un pirate. Ça, c'est à moi, ça. Bien joué. Ça vous donne la vision. Ça fait trop la différence dans la game, ça. Joué, oh, superbe. Ouais, voilà. Faut vraiment que tu comptes sur le Ezreal. Je pense que le Ezreal peut vous carry. Sauf s'il meurt. Eh, vous avez vu comme j'ai tanké pour lui, coach? Je défends mon carry, vous avez vu? Ouais, c'est pas dégueu, t'as fait le bon choix, je pense. Et là, donc, une question. Hop! Oh, flash! Le flash extraordinaire! Tempo. Le Lucian, pense au Lucian ou la Arena. Oh là 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 là! Dans les fesses! Mets-lui un Q. J'en étais soon. Mais lui un Q! J'ai pas la portée, putain! Mais tu l'avais à un moment! Mais non, mais j'ai voulu éviter son truc. Ouais, c'est vrai que le crap! Zed! Oh mon dieu, t'es trop loin! C'est bon. T'as récupéré l'ulti, hein! C'est bon, non, mais j'ai bait, voilà, on a gagné! Et voilà, bait, c'est fini! Fini la game! Mais lui un ulti! Je pensais qu'il allait tuer l'autre! Oh, il était dégueulasse son ulti! Je tue. Non, mais on s'en fout, faut que tu fasses la game! Juste là, en fait! Ouais, je sais qu'il est là, mais ouais! Voilà, non, vite! Mais non, mais on est large! Et voilà! Mais on est large! Regardez, coach! Mais détendez-vous un petit peu! Tu veux un truc à boire ou? Une bouteille de rhum! Allez hop, c'est parti! Allez, voilà, facile! Tu mets deux verres, s'il te plaît! Deux verres, s'il te plaît! C'est ça, quel acteur! Et voilà! Ah, quelle victoire! Ça! Ah, ça avait plaisir, ça! La prochaine, on va. Hein. Ah, celle-là! Ah, quelle victoire! Ah, ça se fait, ça! Alors là, ça... du coup, j'ai le droit de jouer une game sur votre compte.
Oui. Si je gagne en diamant, je peux retourner dans la gaming house avec Karim et Simon. Non. En diamant, ce serait ouf. Un coach. C'est bien parce qu'en tout cas, on a travaillé beaucoup de choses. Ah, c'était super. Ça commence à venir, mais en fait, il y a beaucoup maintenant de mini détails. Hein. Ah, j'ai bien joué sur là. Les détails. Les détails. Ouais, les détails. En fait, il faut que tu t'as un niveau qui est correct. C'est-à-dire que t'as un peu toutes les compétences, mais elles sont tous pas leur maximum. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es pas dégueu en farm, mais t'es pas très bon. Tu vois? T'es pas dégueu en trade, mais t'es pas très bon. Vous voulez dire quand même que mais c'est bien au moins. T'as en fait. Non mais nous avons Varkul. Hello. Et je vais tweeter. Ah, on a gagné. Ouais. Non, ça va pas toi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais?